D'abord, on vient de dire pour l'installation, qu'est-ce qu'on a maintenant la sauvegarde, Sarisage. On a Sarisage qui confie déjà l'installation, le serial, c'est-à-dire le code ou la licence, le logiciel. Donc, je vais l'extraire, donc extracter. Donc, je vais extraire le dossier le logiciel. Donc, il va l'extraire ici dans un dossier spécifique. Je vais directement dans le WinRAR. Je donne le dossier. Donc, c'est pour cela que je vais extracter le dossier via le logiciel dans un dossier spécifique. Une fois qu'il on va automatiquement passer à l'installation. Pratiquement pour l'installer, on doit avoir que maintenant, il a traité le dossier, comme vous allez voir, quelle comptabilité, quelle gestion commerciale et bien sûr d'autres. Ou quelle le dossier et le serial. Le serial, il faut ajouter. D'accord? Les neuf, les mots de passe. نقدر نفتحو من الاول ديال الديبي نفتحو لان غادي نحتاج فيه لي مود باس دونك هذا مثلا السيريال ديال سيج كونتابيليتي وهذا السيريال ديال سيج جيستيون كوميرسيال دونك غادي نحتاجو لوغ دو لانستالاسيون ديال لي دوسي باغ لا سويت جو في باسي الكونتابيليتي كنمشي الكونتابيليتي داكوغ كنفتحها وكنمشي السيتاب كنقلب على سيتاب ها هي سيتاب فوالا دونك اي جو في cliquer en double clic, l'autoriser, donc je vais mettre oui, l'autoriser, et par la suite, ça va me permettre d'installer. Donc l'installation en français. Par la suite, j'attends à ce que l'installation se termine. Voilà, je vais mettre suivant, suivant. Voilà, on est dit la clé. Donc la clé, c'est comme déjà que nous avons le serial. Donc voilà, je suis le serial, il y a la comptabilité. Je vais donc copier et coller les éléments nécessaires. Voilà. Je vais copier et coller les... copier et coller voilà les éléments du logiciel. Par la suite, je vais mettre suivant. Donc, il y a quelque chose de voilà, incorrect. Donc, je vais la refaire. Donc, je vais retourner au dossier. Donc, je vais retourner au dossier serial. Donc, la partie de Zaralta, bien sûr, je vais la corriger. Voilà, une fois donc le serial il est juste comme cas suivant, suivant, jusqu'à ce que je termine toutes les opérations de l'installation. Par la suite, comme principal, la procédure jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le logiciel comptabilité s'installe. Normalement, ça ne prend pas beaucoup de temps, mais de toute façon, on doit l'attendre jusqu'à ce qu'il termine l'installation. Voilà.
Comme ça, on attend jusqu'à ce qu'il termine l'installation. D'abord, il vient de terminer l'installation d'un logiciel de comptabilité. On va faire la même chose pour le deuxième logiciel, qui est le logiciel de gestion commerciale. Donc, je vais mettre terminé et passer au deuxième logiciel, le logiciel de gestion commerciale. Donc, là, je vais mettre P, gestion commerciale. Je cherche Setup. Voilà. Dès qu'il commence, je vais mettre suivant, le guide, suivant. Pour l'authentification, donc, c'est la clé qui est la plus sérieuse, voilà, donc, la gestion, ASA, gestion commerciale. Je vais mettre copier et coller, donc, les différents chiffres de la clé. Les lettres. Suivant. Jusqu'à ce que je termine l'installation. Voilà, suivant. Et de même, il va prendre un petit peu de temps pour s'installer sur l'ordinateur. Donc, on va attendre jusqu'à ce que ce qu'il termine l'installation. Bien sûr, vous avez fait la partie à dire, c'est installé en juge, c'est installé et le logiciel de comptabilité et le logiciel de gestion commerciale. Qui prend le logiciel de paie, c'est une sauvegarde spécifique, avec Guardita. Donc, la paie, on a des comptes, c'est un autre logiciel, les OSHP, ça va pas lecture. Pas la crème, ça va serial dialogue. Donc, ça va quelqu'un avoir déjà des rôles comme on a dit, mais ça ne va pas nous installer. Voilà, une fois installé, comme sur le menu démarrer. Voilà. Et on va le trouver au niveau des applications. Voilà, donc si je trouve ici toutes les applications, Adelka, Sage, Comptabilité, ou déjà Instana, ou Sage, Gestion commerciale. Sinon, je cherche Sage, d'accord? La Sage, donc, Kalka. Sage comptabilité, ou le Sage gestion commerciale, quelqu'un au niveau des applications viandes. Donc, maintenant, s'il vous plaît, on vient d'installer ce logiciel. Donc, on vient d'installer le logiciel de comptabilité et de gestion commerciale.